Bien-aimé Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, l'incomparable grand maître de tous les temps et de toutes les circonstances, l'unique Seigneur qui est capable de déceler le livre et ses sept sceaux. C'est Jésus, il est l'unique. Il est l'unique, celui qui est au-dessus de toute autorité, Jésus, l'incomparable Seigneur. Merci à tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous posent des questions afin de comprendre les Saintes Écritures. Merci, mes bien-aimés. Dernièrement, nous avons commencé avec la première partie sur la différence qui existait entre le songe, la vision et le rêve. Mais aujourd'hui, on va continuer avec la même série la différence entre âme, esprit et esprit. Alors, on va expliquer ça bibliquement afin que nos bien-aimés puissent comprendre les Saintes Écritures. Père, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu, car d'éternité en éternité, tu es Seigneur. Merci Jésus, toi qui es incomparable de tous les temps. Bénis, garde, protège-nous, ouvre nos esprits afin que nous puissions comprendre ta parole. Merci infiniment, Seigneur Jésus, soit avec tous les frères du GEC toutes les sœurs, afin que nous puissions avoir, Seigneur Jésus Christ, une compréhension unique et parfaite selon les Écritures. Ton puissant, -nous, nous allons se prier et nous disons Amen. Mais bien aimés la différence qui existe entre l'âme et l'esprit est claire et remarquable par rapport à la parole. Alors, nous allons lire les versets bibliques afin que nous puissions avoir une certaine compréhension. Comme nous disons d'habitude, que quand nous présentons un enseignement, vous aussi à la maison et vos Bibles, afin que nous puissions marcher ensemble. Parce que nous comprenons, mes bien-aimés, que Dieu n'a pas créé la terre par hasard. Mais il a créé la terre avec un but. Mais Dieu avait aussi ses principes quand il était en train de créer toutes choses. Voilà pourquoi Dieu a créé le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Ce n'est pas pour rien. Parce que bibliquement, nous croyons que Dieu a créé trois cieux. Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Alors, on va expliquer ces éléments par rapport au sujet que nous avons. Mais nous comprenons, mes bien-aimés, que dans le tabernacle de Moïse, il y avait trois séparations. C'est-à-dire, nous avons le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Mais ce n'est pas pour rien. Voilà pourquoi Dieu aussi, par rapport à la création, il a créé l'homme avec les trois éléments, soit trois séparations. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais quand nous allons alors prendre le tabernacle de Moïse, on va comprendre que les choses ont été créées par une prédestination selon la préscience de Dieu. Est-ce que vous voyez ça C'est-à-dire que Dieu a déjà prédestiné les choses. Parce que quand nous voyons le premier ciel, on va comprendre que le premier ciel, c'est la terre. En réalité, le premier ciel est lié à la terre. Le deuxième ciel et le troisième ciel, ce sont des espaces où se trouvent les dominations, les puissances. Mais nous comprenons, mes bien-aimés, que dans le troisième ciel, c'est là où est le trône des dieux parce que l'apôtre Paul nous le confirme dans la parole. Mais quand Dieu crée l'homme, il divise l'homme en trois sections. Esprit, âme et corps. Mais nous comprenons, selon le tabernacle des dieux, qu'il y a trois sections aussi. Le très saint, ou le saint des saints, le lieu saint, et le parvis. Ah, donc nous comprenons cela par rapport au tabernacle de Moïse. Or Moïse avait bâti le tabernacle selon le modèle qu'il avait vu sur la montagne qui symbolise alors le ciel. Alors nous avons le lieu très saint, là où se trouvait alors la puissance, la présence des dieux. Or le lieu très saint, c'est là où Dieu déposait l'arche de l'alliance. Est-ce que vous voyez ça Dieu dépose l'arche de l'alliance dans le lieu très saint. Mais dans le lieu saint, c'est là où se trouvait alors le culte. C'est-à-dire que c'est le lieu qui servait au culte pour les sacrificateurs. Et nous avons le parvis qui symbolise le monde. A d'où nous comprenons que c'est dans le lieu très saint que Dieu avait déposé l'arche de l'alliance par Moïse qui symbolise alors le troisième ciel. Mais dans le lieu saint, c'est là où alors qui était la présence des sacrificateurs pour alors le sacerdoce. Et dans le parvis, c'est là où se réunissaient alors les enfants d'Israël avant alors d'être servi par les sacrificateurs. Donc nous comprenons que ici il s'agissait alors du corps parce que nous avons le corps or le corps est lié aux choses de la terre ce qui symbolise le monde. Nous avons le lieu saint qui est alors l'âme. C'est à partir de l'âme que nous aussi nous devons alors faire le culte voilà pourquoi la Bible déclare que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, mais parce que c'est à partir de l'âme que nous recevons tout ce que le corps peut alors envisager, peut alors concevoir. Donc l'âme est le siège où se trouvent alors toutes les facultés morales, civiques, intellectuelles. C'est dans l'âme qui sont siégés les sentiments, les pensées, les émotions et les souvenirs. C'est dans l'âme. Mais l'esprit, c'est là où se trouve alors le dépôt de Dieu. Ah, donc on va comprendre que, puisque dans l'esprit, Dieu dépose alors sa puissance, l'arche de l'Alliance qui est la présence de Jésus dans l'esprit, donc c'est l'homme qui pose dans l'âme alors son dépôt. Est-ce que vous voyez ça Donc, l'homme est la section où l'homme pose, où l'homme dépose alors ses fruits, c'est-à-dire les fruits de la chair, qui sont les choses de la terre. Mais dans l'esprit, Dieu pose là-bas alors son dépôt. Mais cela signifie quoi On va les expliquer bibliquement. Afin que nous soyons encore clairs. Alors, nous sommes dans Genèse. On va prendre la Bible. La Bible va nous aider afin que ce que je venais de dire soit encore clair. Genèse, chapitre 2, le verset 7. Ainsi déclare la parole. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Mais quand nous allons alors décortiquer ce verset, on va comprendre ici qu'il s'agit alors de trois éléments. Dans ce verset, il s'agit de trois éléments. Premièrement, la poussière qui symbolise le corps. Or, le corps signifie le parvis. Quand nous prenons le tabernacle de Moïse, on va comprendre que le corps c'est le parvis, c'est-à-dire le monde. La poussière de la terre c'est le corps, le parvis ou le monde, parce que c'est le corps qui est en contact avec le monde. Le corps est en contact direct avec le monde. Le souffle de vie et l'homme devient un être vivant. En d'autres termes, une âme vivante. Ah, donc nous comprenons que. Une âme vivante signifie tout simplement un être vivant. C'est clair. Une âme vivante signifie un être vivant. C'est la même chose. Voilà pourquoi dans Genèse 2.7, on nous dit clairement que l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc, un être vivant signifie aussi une âme vivante. C'est juste... Euh, la traduction qui peut changer. Parce que quand nous voyons 1 Corinthiens 15, 45, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, la Bible déclare ainsi Une âme vivante signifie un être vivant. C'est la même chose. 1 Corinthiens 15, 45, la Bible déclare ainsi Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Est-ce que vous voyez ça Mais dans Genèse 2,7, on dit Adam était devenu un être vivant. Ici, l'apôtre Paul nous confirme que c'est une âme vivante. Donc, une âme vivante signifie tout simplement une personne. Parce qu'il faut comprendre que l'âme de la personne se trouve incorporée dans le sang humain. Est-ce que vous voyez ça? L'âme est incorporée dans le sang. Mais la parole de Dieu est capable de séparer l'âme et l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? La parole peut le faire. Parce que quand nous, voyons, quand nous voyons dans la parole, nous allons comprendre ça. Je vais chercher ce verset. La parole de Dieu est capable de séparer l'âme et l'esprit. Parce que l'âme peut être incorporée dans le corps, mais une fois que la personne meurt, l'âme peut être séparée et être alors incorporée dans l'esprit. Est-ce que vous est voyez ça Parce que Dieu est capable de le faire. On va lire des versets bibliques, ça sera encore clair. La parole de Dieu est capable de séparer l'âme à l'esprit. Regardez. Je vais chercher une... une, une, une parole ici euh, qui va nous aider un passage biblique un passage biblique qui va alors nous aider afin que nous puissions comprendre cela c'est très important que nous dit la parole de jésus par rapport à l'âme voilà nous allons prendre voilà gloire à jésus nous allons prendre hébreu chapitre 4 le verset 12 la bible déclare ainsi car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager, jusqu'à partager âme et esprit. Est-ce que vous voyez ça Donc la parole de Dieu, en un mot, l'esprit de Dieu est capable de partager âme et esprit. Bon, de toute façon, c'est lui-même qui a créé toutes choses. Le Créateur est capable de le faire. Il peut partager âme et esprit. En d'autres termes, il peut séparer. Dans d'autres versions, si vous prenez d'autres versions, vous allez voir qu'il peut séparer âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, l'âme. C'est le siège des pensées, sentiments, souvenirs, émotions que l'homme dépose. C'est l'homme qui dépose dans l'âme les fruits. C'est l'homme. Parce que quand une personne étudie, quand une personne pense, quand une personne manifeste des choses, tout ce que... Le corps désir va alors dans l'âme. Vont alors être emprisonnés dans l'âme. Donc l'âme dépend du corps. Mais l'esprit là-bas, c'est le dépôt de Dieu. Quand nous recevons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait de nous son temple, le tabernacle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit là-bas que ne savez-vous pas que votre corps, est le temple du saint-esprit. en d'autres termes, votre corps est le tabernacle de dieu. mais dans le tabernacle de dieu, il y avait trois divisions. le lieu très saint, qui est le dépôt de l'esprit, parce que l'arche de l'alliance signifie tout simplement la présence de dieu. or, nous avons la présence de jésus en nous, ou la présence du saint-esprit. l'âme et le corps le lieu très saint, le lieu saint et le, et le parvis. C'est-à-dire le troisième ciel, le deuxième et le premier ciel. Est-ce que vous voyez ça On va évoluer. Donc, ça, c'est l'âme. C'est l'homme qui dépose dans son âme, alors, toutes ses émotions. Prenons Ézéchiel. Ézéchiel 18, 20. Ézéchiel chapitre 18. Le verset 20. Que nous dit la parole de Dieu? Ézéchiel 18, 20. La Bible déclare ainsi L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oh L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En d'autres termes, la personne qui pêche, c'est elle qui mourra. Parce que dans Genèse 2.7, on nous a dit que Adam est devenu un être vivant. Et l'apôtre Paul confirme dans 1 Corinthiens 15.45 que Adam, le premier homme, était devenu une âme vivante. Ah, donc nous comprenons que une âme vivante signifie tout simplement un être vivant. En d'autres termes, une personne. Parce qu'ici, on nous dit que l'âme qui pèse, c'est l'âme qui mourra donc. La personne qui pêche, c'est elle qui mourra. Alors nous comprenons que une âme vivante signifie une personne. Regardez, Lévitique chapitre 17 verset 10. Lévitique. Nous sommes ici en train de décortiquer l'âme. Qu'est-ce que signifie l'âme On veut comprendre la différence qui existe entre une âme et un esprit. Mais attention, il y a différence d'esprit et esprit parce que nous avons Esprit avec E majuscule et esprit avec E minuscule. Mais cela signifie quoi? On va d'abord aller doucement. Lévitique 17, 10. Lévitique 17, 10. La Bible déclare ainsi Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux Mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Regardez. L'âme de la chair est dans le sang. En d'autres termes, l'âme de la personne se trouve dans son sang. Est-ce que vous voyez ça En d'autres termes, l'âme est incorporée dans le sang. Est-ce que vous voyez ça Donc, l'âme fait partie de la terre par rapport au sang. Mais c'est une chose qui est spirituelle. Parce que Dieu est capable de les séparer de la chair. Est-ce que vous voyez ça car l'âme de la chair est dans le sang. Est-ce qu'il va ça Prenons un autre verset. Voilà, Poussomme. Poussomme 6.5. Poussomme 6.5. La Bible déclare ainsi. Reviens, éternel. Délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus de souvenirs. Le verset 6. Oh. Celui qui meurt n'a plus de souvenirs. Oh. Mais on a dit maintenant que les souvenirs sont logés dans l'âme. Mais comment celui qui meurt n'a plus de souvenirs Mais c'est tout à fait normal. Parce que quand une personne meurt, Dieu est capable de séparer la chair avec, d'avec l'âme. Est-ce que vous voyez ça la parole de Dieu est capable de séparer l'âme et la chair. Parce que quand nous mourons, l'âme doit être séparée de la chair. Et la, la chair qui est poussière, qui est le monde, qui est la terre, va retourner dans la terre, n'aura plus de souvenirs. Parce que le corps n'a pas de souvenirs. Quand on enlève l'âme, on enlève l'esprit, il devient un cadavre. Il n'a plus de souvenirs. Est-ce qu'il voit ça Donc Dieu va alors séparer l'âme au corps, mais l'âme doit alors être incorporée dans l'esprit. Pourquoi Mais parce qu'au jour du jugement, qu'est dit la parole Au jour du jugement, qu'est-ce qui va se passer Matthieu 12 36. Matthieu chapitre 12, le verset 36. Qu'est ce dit la parole ici Regardez Matthieu 12 36. Le Seigneur Jésus dit ainsi, Matthieu 12, 36, la Bible déclare ainsi, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Attention, ici quand la Bible dit les hommes rendront compte, il ne s'agit pas seulement des hommes, mais il s'agit aussi des femmes ici, toute personne, en d'autres termes, parce que on ne peut pas commencer à faire à la répétition. Les hommes et les femmes, les hommes et les femmes. Ici, il s'agit des personnes. Toute personne rendra compte de toute parole qu'elle aura proférée. Mais on va se poser une question, mes bien-aimés. Une âme retient tous les souvenirs, mais l'esprit là-bas nous dit ici que nous allons alors nous rendre compte, les personnes se rendant compte. Donc on comprend que quand une personne meurt, Dieu est capable de séparer son âme et incorporer dans l'esprit, afin que l'esprit puisse se souvenir. Pourquoi l'esprit se souvient Mais parce que quand l'esprit est devant le trône de Dieu, il doit alors parler de toutes les abominations commises ici sur la terre. Voilà pourquoi l'esprit est le dépôt. Est-ce que vous voyez ça L'esprit est le dépôt, soit du diable, soit des dieux. Quand une personne marche euh, dans la sanctification, quand une personne met en pratique la parole des Dieu, quand une personne craint le Seigneur, Dieu mettra dans son esprit son dépôt. Mais donc, quand la personne ne marche pas dans la parole, ne craint pas le Seigneur, ne connaît pas Jésus, sûrement son esprit n'aura pas le dépôt de Dieu. C'est le diable qui viendra maintenant déposer les choses là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Évoluons. Donc, nous comprenons que mes frères, l'âme de la personne se trouve dans le sang. Mais c'est dans l'âme que vont alors. Toutes les émotions, les sentiments, les sensations, les souvenirs vont dans l'âme. Mais Dieu est capable de séparer l'âme et la chair. Parce qu'il est le Créateur. Est-ce que vous voyez ça Donc ici, l'âme ici symbolise selon le tabernacle de Moïse, le lieu saint. Parce que c'est dans le tabernacle de Moïse que les sacrificateurs prenaient les décisions. C'est dans le sacerdoce que les sacrificateurs alors faisaient le culte. Or, c'est dans l'âme que nous avons alors les sentiments, les décisions. Toutes choses se passent dans l'âme de la personne. C'est là que les choses sont alors encaissées, logées, préservées, que la personne soit pendant son soit vivant. Est-ce que vous voyez ça Donc ça, c'est l'âme. Ça, c'est l'âme. Mais la personne elle-même aussi est une âme vivante. Voilà pourquoi la Bible nous dit que j'ai vu des âmes immolées. En d'autres termes, j'ai vu des êtres immolés. Des personnes immolées. Donc une âme est aussi symbolisée comme une personne. Parce que la personne est une âme vivante. Ou soit un être. Vivant. C'est clair. Alors, mes bien-aimés, on va comprendre que esprit avec E majuscule signifie la puissance de Dieu. Ça, c'est l'esprit supérieur avec E majuscule. C'est l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit Saint doit être écrit avec E majuscule parce que c'est l'esprit supérieur. Regardez. 1 Corinthiens 2, 11. 1 Corinthiens de 11. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 11. Qui dit la parole de Jésus-Christ 1 Corinthiens 2 11 et 12 lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'esprit, si ce n'est l'esprit de l'homme ici l'esprit de l'homme est écrit avec un e minuscule parce que c'est l'esprit inférieur avec e minuscule si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu ici l'esprit est écrit avec e majuscule parce que c'est l'esprit supérieur est-ce que vous voyez ça donc Esprit avec E majuscule signifie l'esprit supérieur, c'est-à-dire l'esprit des dieux, le créateur. Mais avec E minuscule, c'est l'esprit de la personne. Attention, nous quand nous disons l'esprit de l'homme, cela signifie aussi la femme. Est-ce que vous voyez ça Quand on dit l'esprit de l'homme, en d'autres termes, l'esprit de la personne, parce que la femme aussi a le même esprit. Est-ce que vous voyez ça tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont reçu l'esprit ont le même esprit de Dieu. Parce qu'il y a un seul esprit de Dieu, mais ce sont les dons qui sont différents. Donc, l'esprit qui est dans un homme, c'est le même esprit qui est dans une femme. Bien que les grâces, alors, qui sont différentes, chacun selon ses capacités spirituelles. Est-ce que vous voyez ça? Gloire à Jésus. Alors, le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'esprit avec eux, c'est l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu. 1 Pierre 4, 14. Regardons. 1 Pierre 4, 14. Que dit la parole ici? Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit, l'esprit des gloires, l'esprit des dieux repose sur vous. Est-ce que vous voyez ça L'esprit des gloires, l'esprit des dieux repose sur vous. Ça veut dire quoi Quand la Bible dit que l'esprit des dieux est sur moi, ça veut dire quoi mes frères, quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, cela ne signifie pas dire réellement que tu te promènes alors, l'Esprit est sur ta tête. Non, en réalité, Dieu, quand il te donne l'Esprit, c'est un dépôt. Il te donne le dépôt dans ton esprit. Le dépôt signifie tout simplement l'Esprit de Dieu qui vient dans votre esprit avec plusieurs dons, des grâces. Ça, c'est le dépôt la présence des dieux en toi. Voilà pourquoi quand Moïse avait bâti le tabernacle, il devrait mettre alors l'arche de l'alliance dans le lieu très saint. Parce que c'est dans le lieu très saint qu'il fallait déposer l'arche de l'alliance. Donc le dépôt de l'arche de l'alliance, c'est dans le lieu très saint. Alors la présence des dieux est déposée dans notre esprit. Est-ce que vous voyez ça dans notre esprit Alors, prenons alors 2 Timothée 1, 14 pour que nous puissions comprendre ce que signifie ici alors le dépôt. Le dépôt des dieux. Le dépôt des dieux est le dépôt du diable. 1 Timothée... Nous allons prendre... Euh, prenons 2 Timothée 1, 14. 2 Timothée 1, 14. De Timothée 1,14. La Bible déclare ainsi Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce que vous voyez ça Donc, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire à son fils Timothée de garder le bon dépôt. Est-ce que vous voyez ça Donc, le bon dépôt ici <laughs> signifie tout simplement C'est que Dieu met en nous. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il alors fait de notre corps son temple. Voilà pourquoi la Bible confirme que euh, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Est-ce que vous voyez ça Donc, quand le Seigneur vient en nous, il vient alors se mettre comme le tabernacle de Moïse. Le ta en fait, le tabernacle de Moïse n'est que la préfiguration du corps humain. Parce que l'arche de l'Alliance, c'est le symbole de la présence des dieux. C'est Jésus Christ. Est-ce que vous voyez ça? L'arche de l'Alliance, c'est Jésus. La présence de Dieu. Voilà pourquoi il dit, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, il viendra avec son père. C'est ça l'arche de l'Alliance. La présence de Dieu dans notre esprit. Donc il vient se déposer dans notre esprit. Est-ce que vous voyez ça? Et à partir de là, il y aura alors différence alors par rapport au désir. Voilà pourquoi la Bible déclare que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Parce qu'ils sont, ils sont contraires. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce que dans la chair est alors ce que nous disons. Dans la chair se trouvent euh, les fruits, ou soit les, les, les passions de la chair. Ce qui alors cause la guerre à l'âme. Mais l'esprit a aussi a ses fruits qui sont différents. Est-ce que vous voyez ça On va arriver là-bas. Prenons Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Ça va nous aider. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, 14. Ézéchiel chapitre 37, le verset 14. Ça va nous aider, mes bien-aimés. Cherchons cela afin que ça puisse alors nous, nous aider. Ézéchiel 37, 14. Que dit la parole de Jésus La Bible déclare ainsi. Ézéchiel 37, 14. La Bible déclare ainsi. Je mettrai mon esprit en vous. C'est-à-dire que je vais déposer. C'est un dépôt. Est-ce que vous voyez ça? Je mettrai mon esprit en vous. En d'autres termes, je vais déposer mon esprit en vous. D'où l'esprit devient le dépôt des dieux. Est-ce que vous voyez ça? Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous. Saurait que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le dépôt, c'est le Saint-Esprit. Le dépôt. Et le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il nous donne alors les fruits de l'Esprit. On en croit avec Galates, chapitre 5, le verset 22. Donc, c'est clair. Même si nous prenons Jean, chapitre 6, le verset 63, on va voir qu'est dit la parole. Jean, chapitre 6 le verset 63 qui déclare la parole. La Bible déclare ainsi: C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Est-ce que va ça? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Voilà pourquoi la Bible nous confirme que en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. <laughs> en réalité dans l'homme, c'est l'esprit la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Est-ce que vous voyez ça Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire que il est ici en train de dire en d'autres termes, les paroles que j'ai déposées en vous sont esprit et vie. Est-ce que vous voyez ça Donc nous recevons le dépôt. C'est un dépôt dans l'esprit, le dépôt de l'esprit. C'est Dieu qui dépose dans notre esprit sa semence. Mais nous déposons dans notre âme notre semence. C'est-à-dire ce que nous ressentons, les sentiments, les souvenirs, les émotions, les sensations. C'est l'homme qui les dépose. On va voler pour terminer mes bien-aimés. Prenons Galates 5 16. Que nous dit Galates 5 16 Galates chapitre 5, le verset 16 et 17. La Bible déclare ainsi Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. C'est-à-dire -ce que, vous... que quand une personne marche selon l'esprit, la personne n'est plus conduite selon sa chair. Mais la personne est conduite alors selon son esprit. Parce que Dieu a déjà mis un dépôt dans son esprit. Est-ce que vous voyez ça Alors, les sentiments, les souvenirs, les sensations de l'âme ne vont plus affecter la vie de cette personne parce qu'elle marche selon l'esprit. La personne a un dépôt spirituel. Est-ce que vous voyez ça Je continue. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivronnerie, ivron... les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Pourquoi Mais parce que ce sont les choses que la chair dépose dans l'âme. Si vous n'avez pas le Saint Esprit, si vous ne marchez pas selon l'Esprit, la chair va déposer dans votre âme toutes ces choses. Mais quand vous marchez selon l'Esprit, alors la chair sera alors soumise à l'Esprit, parce qu'ils n'ont pas les mêmes désirs. Or, celui qui marche selon l'esprit aura alors les désirs de Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si vous vivez par l'esprit, Marcher selon l'esprit. Ou soit, si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Nous ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Est-ce que vous voyez ça Ça à dire que celui qui a le dépôt dans son esprit marche selon l'esprit. Mais celui qui n'a pas le dépôt de l'esprit, marcheront selon la chèque. C'est clair, mes mais, mais bien-aimés. Voilà pourquoi la Bible confirme dans Romains, dans Romain 8,16, on va prendre ça à Romains 8, 16, que dit la parole. Romains chapitre 8, le verset 16. La Bible déclare ainsi, l'esprit, lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Mais parce que l'esprit a déjà son dépôt. que l'esprit avait déjà été déposé en nous. Puisque l'esprit est déposé dans notre esprit, il rend témoignage que réellement, vous êtes enfants de Dieu. Parce que nous avons l'esprit de Dieu. Merci, mes bien-aimés. On s'arrête par ici. J'espère que euh, nous étions clairs pour dire qu'il y a une différence entre ces trois sections. Le corps. L'âme et l'esprit, parce que le corps, c'est le physique. Et le corps, selon le tabernacle de Moïse, on va comprendre que Dieu avait ordonné à Moïse de le répartir en trois sections. Lieu, le lieu très saint, qui signifie aussi le Saint des Saints. Le lieu très saint et le parvis. Ce qui signifie, en d'autres termes, le troisième ciel, le deuxième ciel. Et le premier ciel. Alors, selon la création, Dieu a repris les mêmes choses l'esprit, l'âme et le corps. Parce que c'est dans l'esprit que Dieu dépose alors l'arche de l'Alliance. En d'autres termes, Jésus y habite dans notre esprit. Est-ce que vous voyez ça Alors, dans l'âme, c'est là où il y avait les décisions, les émotions, les sensations, les souvenirs des sacrificateurs. C'est l'âme. Là-bas, c'est l'âme. Le corps, c'est le parvis parce qu'il est en contact avec la terre. C'est le parvis. Donc, Dieu avait créé les choses expressement afin de nous expliquer selon sa préscience. Que la nature avait été créée selon le modèle de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse de bâtir le temple, soit le tabernacle, selon le modèle qu'il avait vu sur la montagne. Donc Dieu a créé l'homme selon le modèle. C'est ce que l'apôtre Paul nous confirme dans la parole. On va lire ça. Donc Dieu a créé l'homme selon le modèle du tabernacle. Regardez. On va prendre un dernier passage afin que ça puisse aussi nous aider. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. 1 Corinthiens 6 19. Afin que ça nous aide, nous allons comprendre que Dieu avait créé l'homme selon le modèle du tabernacle. 1 Corinthiens 6 19-20. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20 et dit la parole de jésus la bible déclare ainsi ne savez-vous pas que votre corps est le temple du saint-esprit est-ce que va ça ne savez-vous pas que votre corps est le temple du saint-esprit en d'autres termes ne savez-vous pas que votre corps est le tabernacle de dieu est-ce que va ça c'est facile votre corps est le temple de dieu qui est en vous votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Or, le Saint-Esprit signifie tout simplement la présence de Dieu. Selon le tabernacle de Moïse, c'est l'arche de l'Alliance. Est-ce que vous L'arche de l'Alliance, dans le tabernacle de Moïse était dans le lieu très saint. Ça symbolise la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Nous soit Jésus-Christ lui-même, qui est en vous, que vous avez reçu des dieux. Vous avez reçu des dieux parce que c'est un dépôt et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Confiez donc euh, Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Est-ce est que vous voyez ça? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Est-ce que vous voyez ça Donc, Dieu habite dans notre esprit. Parce que notre esprit est le symbole du troisième ciel, le lieu très saint. Il habite là-bas. Donc, une fois que ton esprit est sanctifié, alors ton âme, ton corps aussi est sanctifié. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que, euh, en enfin, fait, comme prospère l'état de ton âme, ton esprit, encore est-ce que voit ça donc ce sont les trois éléments qui sont différents mais qui sont incorporés dans un seul élément mais Dieu est capable de les séparer parce que c'est lui-même qui les a mis là-bas est-ce que voit ça Dieu est capable de multiplier l'esprit il est capable parce que quand nous voyons euh, dans le tabernacle de Moïse Dieu avait multiplié l'esprit de Moïse à 70 personnes donc il est capable de le faire. Est-ce que vous voyez ça Dieu a pris l'esprit de Moïse, il a multiplié ça à 70 anciens. Donc il est capable de séparer l'âme, l'esprit et le corps. Il est capable de le faire. Merci mes bien-aimés. Nous nous arrêtons par ici. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse. Jésus-Christ l'incomparable, comme nous disons toujours, Maranatha, l'incomparable grand maître Jésus, revient bientôt. Bye.